Alors, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on me pose comme question? Qu'est-ce que soigne le magnétisme? Est-ce que le magnétisme soigne ceci, soigne cela? Bonsoir. Vous parlez des bienfaits du magnétisme. Je constate les bienfaits du magnétisme. Pratiquement tout le temps, dès la première séance. La personne se sent soulagée, beaucoup plus étendue, plus sereine, dès le premier soin. Une séance dure à peu près 1 heure, et durant cette séance, les tensions se relâchent. Elle ressent comme une délicieuse envie presque de dormir. Certains patients, après la séance, ont l'impression d'avoir dormi, d'avoir passé une nuit de sommeil, se sentent comme se réveiller d'une séance d'une nuit de sommeil. Ils bâillent même, ils se sentent voilà, donc tellement détendus qu'ils ont l'impression qu'ils ont dormi pendant toute une nuit. Et je vois leur visage est beaucoup plus rayonnant. Car la séance leur a permis de se libérer de tensions, de douleurs, et a permis à ce que leur beauté intérieure puisse transparaître davantage. Dans leur visage, je les sens plus comme plus verticales. Bref, on a des effets positifs dès la première séance. Mais évidemment, il ne s'agit pas de s'arrêter là. Donc, ce que je propose aux personnes, c'est un protocole très simple de 3 séances espacées d'une semaine. Et après, de faire le point pour savoir si c'est la peine de continuer et à quel rythme. Car il s'agit avant tout, surtout sur les personnes qui souffrent de douleurs qui peuvent dater de très longtemps, on ne peut pas imaginer qu'une seule séance suffit. Le bien-être va durer un certain temps. Les douleurs, elles aussi, vont certainement réapparaître. Surtout, comme je vous disais, si cela fait déjà longtemps que la personne en souffre. Donc, il est important de fixer pour moi un cadre, donc 3 séances espacées d'une semaine chacune. Et souvent, les personnes, après ces 3 séances, vont sentir que leur problème a vraiment diminué. Et entre chaque séance que je propose en accompagnement, c'est des soins à distance offerts qui permettent à la personne de m'appeler si jamais les douleurs revenaient ou bref, que la personne ne se sente pas seule, mais que je suis là aussi pour les accompagner, même en dehors des séances. Alors, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on me pose comme question? Qu'est-ce que soigne le magnétisme? Est-ce que le magnétisme soigne ceci, soigne cela? En fait, le magnétisme est efficace pour beaucoup de problèmes, à part les jambes cassées, certainement. Là, il vaut mieux aller voir un chirurgien et se faire faire un plâtre. Autrement, que ce soit les problèmes respiratoires, les problèmes digestifs, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Les zonas et le stress aussi, évidemment. Le stress qui risque de générer beaucoup de problèmes. Si on est trop stressé pendant longtemps, ce stress va entraîner d'autres pathologies. Et c'est vraiment le stress est une maladie du siècle. Et c'est important de ne pas laisser le stress dégénérer et ouvrir la porte à d'autres pathologies. Parce que le corps baignant dans une espèce d'acide, ce que le professeur Benpaume appelle le stress oxydatif, va perturber fortement la bonne marche de notre organisme. Donc, on va traiter en profondeur, mais pas de la même façon que le fait la médecine officielle. La médecine officielle va traiter des symptômes, chaque spécialiste étant spécialiste d'un symptôme, de maladies respiratoires, de maladies nerveuses, de maladies
digestif. L'hermétisme, on n'est pas dans cette espèce de découpage. On n'est pas non plus, comme je vous le disais, dans simplement faire disparaître le symptôme sans s'attaquer à la cause. Mais le magnétisme va permettre un travail profondeur où on va s'attaquer, entre guillemets, on va prendre en compte le déséquilibre énergétique et chercher à l'harmoniser pour que les symptômes douloureux, petit à petit ou assez rapidement, disparaissent. Vous voyez, c'est les symptômes étant pris comme des signaux d'alarme. Il ne s'agit pas donc d'arrêter le système d'alarme, de faire taire le système d'alarme en pensant que, bon, vu qu'il n'y a pas de système d'alarme, il n'y a pas de voleurs qui sont en train d'entrer. C'est bien au contraire, les voleurs entreront plus facilement si le signal d'alarme ne fonctionne plus. Donc le magnétisme intervient aussi souvent comme une médecine préventive. Quand on fait un soin, il y a plein de tensions qui sont souvent pas assez importantes pour que le patient lui-même en soit conscient et qui vont disparaître, s'atténuer et éviter ainsi peut-être des problèmes beaucoup plus graves. Parce qu'une tension, au début, elle peut être peu importante, mais après quelques temps, elle peut dégénérer en problème beaucoup plus grave. Donc, il y a un effet préventif du magnétisme qui est important. Parce que c'est soigner, c'est bien, mais éviter de tomber malade, c'est mieux. Soigner, c'est bien, mais rester en bonne santé, c'est plus important. Car soigner quelqu'un, ça ne veut pas dire par là que la personne est en bonne santé, ça veut dire par là qu'elle n'a plus cette maladie. Ça veut pas dire. Pour moi, la bonne santé, ce sont les enfants, les plus jeunes enfants qui sont en bonne santé. Ils n'arrêtent pas de courir, danser, chanter. Ils fatigueraient les adultes. Ils sont enthousiastes. Ça, c'est la véritable santé. Il faut reconnaître que nous, les adultes, ce n'est pas le cas. Il suffit de regarder dans le métro. Donc, ne pas être malade, ce n'est pas suffisant. Il faut retrouver cette santé à la fois du corps et de l'esprit, retrouver cette joie de vivre, cet enthousiasme. Et le magnétisme peut nous aider. Alors, se sentir mieux dans sa peau. Le magnétisme aussi est important, est intéressant en accompagnement d'autres thérapies. Par exemple, les chimiothérapies, les radiothérapies, ou des traitements médicamenteux qui peuvent provoquer des effets secondaires très néfastes, indésirables, comme on dit. J'ai le souvenir d'une personne qui a fait des radiothérapies, c'était pendant le confinement, j'ai fait du travail à distance. La personne devait subir 15 radiothérapies, 5 radiothérapies, une radiothérapie par jour, relâche le week-end, et ainsi de suite, pendant 3 semaines. Et donc, nous, on a fait 10 séances, espacées de 3 jours, en accompagnement. Et ce qui a été surprenant, c'est que la personne n'a pas eu ce qu'on appelle le feu, qui est un des symptômes très douloureux, qui peut être très douloureux, des radiothérapies. Une autre personne, bien, ma sœur aussi, elle avait subi des radiothérapies pour un cancer du sein, et après j'ai travaillé sur elle, et là le feu était déjà là, donc ce feu s'est très atténué suite aux séances qu'on a fait ensemble. Il y a une autre personne qui, elle, ne voulait pas entendre parler de radiothérapie ou de chimiothérapie, et qui avait un cancer du sein aussi, mais dont le bras gonflait de plus en plus, malgré les soins énergétiques, malgré une cure de légumes et de fruits frais, bref, tout ça n'était pas suffisant pour l'aider à guérir. Son bras avait doublé de volume, même plus. Elle avait des ganglions le long du cou, et ces ganglions et ce bras ne dégonflaient pas, bien au contraire. Donc je l'ai convaincue à suivre une chimiothérapie parce que c'était nécessaire. Mais je l'ai accompagné ensuite
durant le traitement chimiothérapie qui, lui, avait permis au bras de dégonfler et au, comment dirais-je, à ses ganglions aussi de diminuer. Mais je l'ai accompagné justement pour éviter tous les effets secondaires de la chimiothérapie. Donc, vous voyez, le magnétisme va travailler sur plusieurs plans. Donc, c'est important de prendre conscience que notre santé est quelque chose de précieux. Et la garder, c'est très important. Donc moi, je suis vraiment en faveur que les gens, petit à petit, prennent conscience de leur alimentation, de leur façon de vivre, d'éviter, pour éviter d'être malade, et aussi dans cette approche préventive, d'aller consulter un magnétiseur, un acupuncteur, peut-être un homéopathe, en tout cas des personnes qui vont proposer un traitement qui ne va pas nuire et qui va permettre à la personne de retrouver un équilibre. D'ailleurs, il y a une nouvelle thérapie qui est là, qui vient de Belgique, c'est la médecine intégrative. Et le concept de cette médecine est très intéressant, c'est-à-dire que le patient devient le centre de l'âme. Et tout un, comment dirais-je, des spécialistes de différentes disciplines, psychologues, des psychologues, des acupuncteurs, il peut y avoir plein de personnes, plein de thérapeutes qui vont chercher à voir comment, quelle stratégie médicale doit-on utiliser pour être apporté à la personne une possibilité de revenir à la santé. Cette approche de la médecine intégrative, ben, devra intégrer aussi, j'espère, intégrera le magnétisme. Voilà donc le message que je peux donner, c'est vraiment faire tout pour rester en bonne santé et ne pas hésiter d'investir dans la bonne santé parce que la maladie, ça coûte très cher. Et je ne parle pas en termes uniquement financiers, mais aussi en termes de souffrance. Voilà. Bonne soirée à tous.